Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans cette édition du journal que nous commençons avec la lecture d'un message du président de la République, Idriss Déby Itno, message adressé au premier ministre de l'État du Japon, M. Shinzo Abe. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la célébration de la fête nationale commémorant l'anniversaire de l'empereur Akihito le 23 décembre 2017, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous au développement et au progrès des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Tchad, mon pays et le Japon. En formant mes voeux de bonne santé et de bonheur à vous-même, à la famille impériale, ainsi que ceux de paix et de progrès au peuple japonais tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, en l'assurance de ma haute considération. Je vous le disais, c'est un message du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. Un décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de Mines, de Géologie et des Carrières. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres sur proposition du ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, décrète, article 1er, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère des Mines, de la Géologie et des Carrières. Direction des recherches géologiques et du cadastre minier, directeur Ojimbei Rosine Toinan, en remplacement de Sadrak Tobé, directrice adjointe Hawa Omar Abdallah, maintenue. Direction du laboratoire d'analyse géochimique, minéralogique et pétrographique, directeur Ramadan Saleh en remplacement de Issara Adam. Direction des carrières, directeur Issa Mahamat Abbasale en remplacement de Mahamat Ali Fadel. Direction des mines, directeur Souleymane Gihini Eli en remplacement de Issara Ousmane Al-Ghadam. Directrice adjointe H.E. Nangas Dai, maintenue. Direction des études économiques, fiscales, juridiques et du contentieux, directeur Ganota Michel, maintenue. Direction de la brigade minier, Signabo Hosoué, maintenue. Article 2, le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République N'Djamena le 22 décembre 2017, signé le président de la République Idriss Déby Itno. Un autre décret portant nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, décrète article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au cabinet du ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières. Direction de cabinet, directeur Ahmad Mohamed Youssouf, en remplacement de Nambatingé Ndoa Doumbé, conseiller Issara Ousmane Al-Ghadam Ned Dingay Ronebe. Article 2, le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République N'Djamena le 22 décembre 2017.